Tu veux que je te raconte l'histoire du record de saut en parachute? Ok, mais moi, je ne raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton dentifrice, et tu frottes jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0! Est-ce que tu aimes les sensations fortes? Et est-ce que tu rêves de faire du saut à l'élastique, un vol en montgolfière, du parapente, ou même un saut en parachute? Waouh! Question sensations fortes, c'est garanti. Et imagine sauter d'un avion, la tête en bas, avec plusieurs dizaines d'autres personnes qui sautent elles aussi en même temps d'un avion, pour effectuer toutes ensemble des figures dans les airs. C'est exactement ce qui s'est passé au-dessus d'un aérodrome de Meurthe-et-Moselle, dans l'est de la France. Un record de saut en parachute a même été battu. Je vais te raconter la suite de cette histoire qui n'a pas le vertige dans un instant. Mais d'abord, j'ai quelque chose d'important à te dire. Tes dents peuvent avoir du relief ou être mal positionnées. Comme elles retiennent plus facilement les débris alimentaires, elles sont plus exposées aux attaques acides des bactéries et donc aux caries. C'est pour ça qu'il faut bien se brosser les dents matin et soir. Pour en revenir à notre record de saut en parachute, ce sont pas moins de 54 parachutistes qui se sont lancés dans les airs. Ils ont sauté la tête en bas de 3 avions depuis 5500 mètres de hauteur et ont ensuite réalisé une rosace. Une rosace, c'est une figure aérienne dans laquelle les parachutistes, avant d'ouvrir leur parachute, se tiennent tous par la main. Tout ça à plus de 300 km/h en chute libre, une sacrée performance. Et ce qui est amusant, c'est que 54, le nombre de parachutistes qui ont participé au record, c'est aussi le numéro du département de la Meurthe-et-Moselle. Un joli clin d'œil. Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais A, fais I. C'est pas mal ça, bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les caries. Allez, maintenant, au lit. Je vais pas aller me coucher. Retrouvez des épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV.